Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Jackie Crostiche. Aujourd'hui, je vais faire un petit peu de point de croix sur ma toile en fil de soie, fil soyeux. Ma toile que je fais en duo avec Angélique. Alors, j'y vais vraiment tout doucement, tout doucement. Je n'ai pas fait grand-chose, vous voyez, j'ai juste fait cette petite partie ici. Voilà, franchement, les fils sont juste magnifiques. Par contre, c'est super fragile, ça bouge beaucoup, c'est vivant, quoi. Le fil est vraiment vivant. Bon, derrière, il y a Marty qui ronfle. Enfin, je suis désolée, vous allez l'entendre ronfler. Voilà, comme à son habitude. Voilà, un petit ronflement de Marty. Voilà. Alors, je vais vraiment tout doucement. J'ai décidé de faire là par exemple. Pour moi, c'est comme si j'avais fait 1, 2, 3, 4 cases. Il y en a 902. C'est énorme. Je vais essayer de faire alors fil par fil, forcément, mais de faire des cases. Comme ça, au moins, enfin, je vais commencer un film, pop, et si j'arrive à finir des cases, ce serait vachement bien. En fait, j'aimerais bien à commencer d'autres couleurs. Donc là, aujourd'hui, le but, par exemple, ça va être de faire les deux cases qui sont ici. Une, deux, voilà. Un petit peu, ah, j'ai ma loupe, hein. J'ai une énorme loupe au-dessus de ma petite tête. Et du coup, dont je disais la case là et la case ici, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va être le but d'aujourd'hui. Alors déjà, je vais terminer mes deux cases parce qu'en fait, j'ai plus qu'une rangée à faire. Donc j'y vais vraiment tout doucement parce que c'est tellement vivant, ça bouge, ça brille, ça, c'est un truc de dingue. Mais franchement, moi j'adore parce que c'est tellement. Comment dire, le fil de soie, il est tout doux, quoi, en fait. Il est vraiment tout doux. Alors, il est 3 h de l'après-midi. On est le vendredi. Il est 3 h, c'est ça? Il est 3 h 15, précisément. Il est 3 h 12. Hein, on est vendredi. Je vais essayer d'en faire jusqu'à 4 h 15. Voir à peu près où j'en suis au bout d'une heure. D'accord? Alors, par contre, je vais pas faire une heure avec vous hein, de point de croix. Je vais en faire un tout petit peu. C'est vraiment. Je sais pas comment elle s'en sort, Angélique. Apparemment, ça a l'air pas trop mal. Mais ouais, mais vraiment, c'est. J'ai vu aussi sur Facebook, je ne sais plus son petit nom, qui avait commencé une toile en fil de soie comme ça et puis elle n'y arrive pas. J'ai vu un post, d'ailleurs j'ai répondu, je ne sais plus qui c'était, mais faut persévérer et puis si tu n'y arrives pas, ben, faut pas te dégoûter quoi, ça ne sert à rien. C'est vrai que là, voilà, je prends mon temps, donc là je vais avoir fini. Ma petite rangée en espérant que j'ai assez de fil. Alors, donc le bleu, donc tout ce qui est bleu là, je vais pas le faire parce que ça correspond à du blanc. Enfin, j'ai beaucoup hésité, j'ai énormément hésité. Après, j'ai vu la vidéo d'Angélique qui disait qu'elle ne le ferait pas. Effectivement, du coup, j'ai un énorme doute, je sais pas. Parce que, en fait, il y a des moments où je crois que dans la toile, au niveau du bas, il faut en mettre du blanc. Mais alors, je me dis que si je ne fais pas du tout de blanc, je ne fais pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais non, je vais pas le faire. C'est vrai que ça avancera peut-être un petit peu plus vite. Je ne vais pas faire de blanc. Là, j'aimerais changer de couleur en fait, mais là, je vais terminer. Voilà, alors là, je termine mon fil. Là, on voit que celui-là, il n'est pas bien fait, la croix. Là. Alors, je termine mon fil, hop, je passe derrière. Alors, j'ai l'impression de serrer plus que les autres fils, que le fil en coton. Alors, j'ai des aimants partout à aiguille et j'en ai pas un à côté de moi.
Ça, c'est fantastique, ça. Je coupe. Allez, je vais rechercher un fil. Je vais faire juste la case là avec le fil que je vais prendre pour pouvoir attaquer en fait l'autre couleur. Voilà. Alors, c'est du 34. Oh, ils partent en sucette, quoi. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu. Comment je vais faire pour pouvoir. C'est ce cirque. Qu'est-ce qui s'est passé avec mes fils? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, celui-là, j'en veux pas. C'est fragile. C'est vraiment fragile. J'ai mal au dos. Je suis en train de poser mon dos là parce que j'ai mal au dos. Je suis dans mon salon là où je vous fais les vidéos du jour, humeur du jour tous les matins, mais j'ai mis ma caméra autrement parce que d'habitude je la mets toujours au-dessus de ma loupiote qui est juste là, et là j'ai pris mon trépied donc j'ai les jambes allongées là, c'est mes jambes, elles sont allongées, j'ai mal au dos, je sais pas comment me mettre. Alors du coup là il me faut trois brins, on y va pour trois brins. Ouais, j'ai peur, j'ai pas enlevé mes fils. Voilà. Hop, celui-ci, je vais le mettre là. Ensuite, celui-ci, je vais le couper en deux parce que je vais pas faire un grand fil comme ça. C'est trop long, en fait. C'est trop grand et ça abîme vraiment trop le fil. Pas pour moi, hein. Donc je vais couper en deux. Mon enfil fil qui est juste à côté de moi. Et mon enfil fil. Il est là. Ça fait du bien de rien faire, de se reposer. C'est un truc de fou. Enfin, aujourd'hui, je fais quand même pas mal de choses, mais ce que je veux dire, c'est que je me suis même endormie, j'ai même fait une sieste, quoi. Oh, incroyable, ça m'arrive jamais, quoi. C'est vrai, ben, quoi, qu'en ce moment, ça m'arrive souvent, mais c'est vrai que avant, ça n'arrivait pas. Alors, du coup, comment je vais faire pour commencer? Alors, j'avais pris une technique la dernière fois, j'avais fait comme ça. J'ai mon fils qui s'est sauvé de. J'ai mon fils qui s'est sauvé. J'ai pas dit que je voulais faire la case là. Puis finalement, je suis sauvée là. Ah bah, ça va plus du tout. Voilà, comme ça. Je vais couper. Et mon fil ne bougera plus. Et finalement, là, ça va tout seul. Oui, pas mal. Ça va bien là. Alors, par contre, je vais me positionner autrement parce que ça me tire trop dans le dos. Je suis trop penchée.
je me suis dans mon élan. Aïe, vous entendez, j'ai la loupe qui est au-dessus, j'ai l'aiguille qui a été sur la loupe. Ils sont bien là, les croix sont bien. Alors, j'ai juste retiré mes jambes d'où ils étaient. Au secours, j'ai mes jambes. Ah, positionner un petit peu autrement. Voilà, là j'ai moins mal au dos. Non, c'est quoi de l'effet? Quoi que j'ai fait là ici, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Ah voilà, alors s'il te plaît mon fils, sois sympa avec moi. Oh, si je commence à parler au fil, on est mal, hein. Oh, mon dieu, là c'est pareil, je n'allais pas bien. Oh, j'étais bien commencé. Là, il commence à rouler en fait. Je commence à parler au fil en lui-même, ça c'est sûr. Voilà. En fait, je fais des croix pleines tout de suite, alors que d'habitude, je fais pas des croix. J'ai fait comme ça, j'en sais rien. Peut-être que c'était bien. C'est le retour, voilà. Ce retour, en fait, je vais faire une ligne, voilà. Ouais, franchement, elle est sympa. Allez, je retourne. Alors, du coup, comme je suis sur la case que je voulais, je vais m'arrêter au bord, là, ici, de la case là. Comme ça, je vais juste faire. Ça, je vais pouvoir le monter, si vous voulez, au niveau de la casque pour que je puisse changer de couleur. Là, mon fil bouge. Il est pas sympatoche. Il bouge. Oups. Oh, bah alors. Pas sympa, hein? J'ai mal au ventre depuis 2 jours là, en plus je suis pas bien. Alors je vais continuer avec vous, mais je vais vous continuer en musique. Donc je vais positionner mon téléphone comme je fais d'habitude au-dessus de ma loupe pour que vous puissiez voir ce que je fais et où j'en suis. Mais là vous voyez le retour là, il n'est pas facile. J'en chie un peu et je vous le mettrai en accéléré. D'accord, comme ça vous verrez. Et au bout de dans 1 heure, en fait, à 3 heures, à 4 heures, 4 heures et quart, j'arrêterai et je vous montrerai le résultat. Donc je sais pas s'il y aura 1 heure complète en accéléré, on verra bien. Mais ça pourrait être sympa. Voilà. Non, ça a l'air d'être. Par contre, j'ai l'impression de tirer. Merde, pardon. Oh non, t'as pas été cool là. Tu m'as fait quoi? Le fils. Ah ouais, c'est vraiment. Faut vraiment avoir beaucoup de patience et faire ça dans le calme. Voilà. Allez, je remets mon fil correctement. Pardon. Oh, il y a un marteau qui bouge. Qu'est-ce qui se passe? Et je vous mets en accéléré pendant, on va dire, 3 quarts d'heure.
Ça fait 1 heure. Voilà comment j'ai galéré, mais galéré avec les fils. Ça a été vraiment terrible. Alors voilà, donc du coup, j'ai fait tout ça. Ben, j'ai fait ça en 1 heure finalement. Hein, j'ai fait la ligne, si je me rappelle bien, les deux lignes là, ici. Une ligne de ligne. Là, on voit que j'ai galéré parce que le point n'est pas net. En fait, c'est le fil qui n'est pas net. Voilà, et après je suis montée là comme ça. Donc il y a trois couleurs différentes. Il y a deux jaunes différents et un beige. Voilà. Oh, comment j'ai galéré comme une dingo. Pouf! En plus, derrière, franchement, je trouve que c'est un peu le bordel. Oh, mais bon, après, faut vraiment prendre son temps. 1 heure, ça a été. Wow, 1 heure de concentration, 1 heure de galère avec les fils, voilà. Alors, bon, là, je m'arrête là pour aujourd'hui parce que j'en ai mal aux mains, tellement je pense que j'ai serré le fil, j'ai tenu la toile tellement fortement que j'en ai mal aux doigts. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Voilà. Alors là, bon, là maintenant les points sont pas trop mal. Hein. Je sais pas si vous voyez, c'est pas trop mal. Hein, mais j'ai quand même, j'en ai quand même chié en parlant poliment. Voilà. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine hein, de ce point de croix pour vous montrer un petit peu mon avancée. Donc là forcément c'était la première semaine, donc il n'y a pas grand-chose de fait dessus. Surtout que je suis sur ma toile du tigre et je voudrais à tout prix la finir la semaine prochaine, pour la semaine prochaine. Donc voilà. Mais bon, c'est tout doux, c'est un plaisir, c'est vraiment génial. Alors moi qui bouffe mes ongles, je suis un peu comme s'appelle Angélique. C'est très 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 compliqué parce qu'en plus je mange mes bouts de peau moi, qui sont sur les côtés. Étant soignant. Hein, je travaille dans le soin, je suis constamment avec mes mains, avec du sérum, enfin du chat, ce qu'on appelle du chat. J'ai les mains qui sont super sèches. Pourtant, j'ai mis de la crème dessus, mais c'est vraiment, waouh, c'est compliqué. Hein. Oh, oh, oh. Donc, voilà, voilà. Allez, moi, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu pour cette semaine avec mon duo avec Angélique. Donc, cette toile, c'est Mona Lisa. Je ne sais plus, Tulipe, je ne m'en rappelle plus. Voilà. Ça va plus du tout, hein. Là, ça m'a lessivé, ça m'a crevé, hein, de faire 1 heure comme ça. Ça m'a vraiment crevé. Allez, moi, je vous laisse là. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye et portez-vous bien.